What's up guys, it's Deer. Today I'm gonna bring you a new tutorial about magic color text I did. So the tutorial is in French and in English. I will explain sometimes in English. So don't worry, just look at the video. Yo les gens, c'est Deer. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel en français et en anglais. Du coup les anglais pourront comprendre ce que je fais. Donc voilà, c'est juste pour faire mon texte multicolore machin. Donc c'est très rapide. Donc vous insérez une cinématique, vous insérez une piste vidéo par dessus, so add a cinematic and add a video track above, and on va insérer un texte sur la piste vidéo dessus, so add a text, a basic text, tac, pardon, il s'est mis là, on va le mettre là, hop, je vais couper ici, comme ça c'est juste la petite séquence, on va customize your text, on va modifier notre texte, dire presence. Tac, là je que ce soit en dessous, au-dessus je n'ai pas d'espace, tac, centré, hop, hop, voilà. So, add a color to your text, donc ajouter une couleur rouge à votre texte, c'est, on changera après, vous inquiétez pas. And add a color around your text, so add rouge aussi, et pardon, il faut que ce soit blue. Blue because it's the opposite of red. Donc ajoutez du bleu, comme ça, ça sera à l'opposé du rouge. Et vous augmentez juste la barre pour que les contours soient apparents. So increase this setting. Et voilà, ça vous donne un truc comme ça. Ensuite, on va aller dans... je regarde juste un truc. On va aller dans effet vidéo codage Sony. Donc il était déjà. Vous appliquez l'effet sur le texte. So add that effect... which change the color, the hue, the tint, and the luminance. I don't know how it's called in English, but it's that effect. Donc vous voyez que ça change les couleurs à toute vitesse. Donc on va cliquer sur... Enfin, mettez la saturation à 2, cliquez sur animer sur les tonalités, tac. So, animate that effect, and check the option, synchronize cursor. Donc l'option là doit être cochée. Donc vous allez au début, vous allez genre... 15 images plus loin, je regarde, hop, et vous augmentez, vous allez un peu plus loin, vous diminuez, vous allez un peu plus loin, vous augmentez, vous allez un peu plus loin, vous diminuez, vous allez un peu plus loin, vous augmentez, et ça vous fait un truc comme ça. Voilà. Ça vous fait vraiment un truc qui clignote dans tous les sens. Et pour donner un peu plus de style, vous pouvez mettre le mode de composition en différence, comme ceci. Put the video track in a difference in this, tac. Et ça vous fait du coup un autre truc un peu plus stylé, comme ça. Alors, si vous faites ça, vous pouvez augmenter par exemple la luminescence pour que vous voyez ça donne des trucs soit plus colorés, soit plus transparents. Donc il faut savoir régler. Genre comme ça, c'est pas mal. Donc ça vous fait un petit texte comme ça. And if you want an animation on your text, you can. Go here, animation, and choose one. Donc si vous voulez une animation, vous faites comme d'habitude, vous allez dans le truc ici et vous en choisissez une. I did a tutorial about that, about the animation in Sony Vegas. Donc j'avais déjà fait un tuto dessus, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc voilà, c'est tout pour ce texte. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous voyez, on voit au travers, on voit le bonhomme, parce que c'est en différence tout. Donc il y a pas mal de choses à faire et c'est assez stylé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu comme tutoriel. C'est vraiment simple, un petit truc comme ça. Je vous dis à la prochaine. So, peace guys, ciao.